m'appelle Wissam Isidore, j'ai 20 ans, j'habite sur le rue avec ma maman. Je suis footballeur professionnel à l'AS Monaco depuis 2018. Et voilà, ensuite je suis passé par Laval et aussi cette année par Bastia Borgo. Et là cette année je retourne à Monaco pour faire la préparation. Bah, j'ai commencé à 7 ans au club du Rieux. Ensuite après j'ai fait 2 ans là-bas. Et ensuite directement je suis parti au Stade Rennais parce que voilà, j'étais beaucoup surclassé quand j'étais au Rieux, donc ça a été facile un peu. Et ensuite j'ai rejoint le Stade Rennais pendant 9 ans, jusqu'à ma majorité en gros. Et ensuite, j'ai rejoint l'AS Monaco parce que voilà, j'avais besoin de franchir d'autres paliers, besoin de connaître d'autres choses et d'apprendre encore plus. Et voilà, depuis 2018, je suis au contrat avec l'AS Monaco. Je suis passé par le collège du Clonay. C'était une section foot un peu. Et on s'entraînait tous les soirs, cours dans un collège normal et ensuite tous les soirs. Et voilà, j'ai eu mon brevet là-bas. Ensuite, j'ai intégré le centre de formation de Rennes. Du coup, j'ai continué sur ma lancée. Et là-bas, c'était plus cours le matin, entraînement pareil directement après. Et on se réentraînait l'après-midi aussi. Donc c'était vraiment là qu'on commençait vraiment à rentrer dans le métier. Et ensuite, voilà, j'ai eu la possibilité de signer professionnel. Donc on va dire que j'ai réussi ma formation. En fait, j'avais connu beaucoup de sélections internationales. Donc je pense que c'est pour ça que Monaco se sont rapprochés de moi. Ensuite, voilà, été 2018, j'étais transféré de Rennes à Monaco. Donc ça s'est plutôt bien passé, j'ai fait une bonne préparation. Ensuite, j'ai fait toute la saison, donc j'ai pu connaître le monde professionnel parce que je n'avais pas connu forcément ça à Rennes. Donc j'ai commencé à faire mes premiers matchs avec les professionnels, premier match en Ligue 1, premier groupe vraiment avec des très grands joueurs, genre Falcao ou bien comme Fabregas ou Jovetic, des très grands joueurs. Donc j'ai pu beaucoup apprendre. Et donc après, j'ai connu aussi là-bas beaucoup de très bonnes choses, mais j'ai connu aussi beaucoup de bas aussi. Voilà, j'ai connu des blessures, des moments où on joue pas, des moments où ça va pas dans la tête. Mais bon, après, c'est la vie, j'ai envie de dire. Et après, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué encore les sélections internationales. Donc ça a continué à me réouvrir des portes. Donc j'ai pu faire l'Euro U19 avec l'équipe de France. Ça s'est passé, ça va, j'ai marqué des buts, mais bon, j'ai fait perdre mon équipe aussi au penalty, donc ça a été contrasté, on va dire. Mais bon, ça m'a donné la possibilité de signer à Laval. Et à Laval, voilà, beaucoup de blessures aussi, pareil. C'était vraiment pas facile. Donc, bien bossé pendant le confinement après, je me suis vraiment remis dans le travail à fond. C'est là que j'ai vu que j'avais aussi du mental, parce que c'était vraiment pas facile. Et voilà, après, mon retour à Monaco, il a été un peu contrasté aussi parce que je pense que j'étais bon, sauf que j'avais pas fait une bonne saison avant, donc c'était moyen. Quand on pesait le pour et le contre, c'était plus pour le contre. Du coup, ils m'ont renvoyé en prêt du côté de la Corse à Bastia Borgo. Et voilà, cette année, j'ai pu m'exprimer sur le terrain sans blessure, grâce surtout à le travail que j'ai pu faire pendant le confinement qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et voilà, la saison s'est très bien passée, j'ai pu avoir des récompenses individuelles, j'ai pu aider mon équipe, et ça c'est le top. Là tu reviens à Monaco, je pense, en pleine forme physique. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu concrètement comment tu as fait, là, avec notamment les périodes où il n'y a pas eu de match, comment tu t'es préparé, c'était quoi le plan? Et déjà c'était une période assez compliquée pour moi déjà, parce que voilà, j'étais un peu au fond du trou, je jouais pas trop, j'étais blessé, et voilà, j'avais besoin de justement un truc qui fait que je vais pouvoir repartir de l'avant. Et du coup, je me suis réfugié dans le travail, dans le travail, dans le travail, dans le travail. J'ai commencé à faire des séances chez Flo. On a commencé à se voir 2 fois, 3 fois par semaine. On bossait beaucoup. Ensuite, après, on est venu ici dans la salle. Et on a pu vraiment travailler là où j'avais besoin. Je me blessais beaucoup au niveau des ischios, au niveau des quadris. Et on a bossé tout ça, vraiment, 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 les renforcer. Et aujourd'hui, cette année, j'ai pas eu connu de blessure. Donc je pense que c'est ce qu'il me fallait. Donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et ensuite, toute l'année, ça a été ma ligne de conduite. Fallait que le matin, je continue à bien me chauffer. Voilà. Et c'est pour ça que quand je suis revenu ici pendant les vacances de Noël, directement, je suis revenu ici aussi à la salle pour pouvoir continuer de travailler aussi encore. Voilà. Et là, préparer la nouvelle saison, fallait que je la fasse ici aussi. Je ne me voyais pas faire ça ailleurs.
Je me sens bien, franchement. Là, on a bien bossé encore. On a fait. Franchement, on a dû faire au moins 12 séances en 6 jours. C'était chaud. Mais bon, c'était bien. Voilà, j'ai pu bosser, que ce soit encore devant le but, ou même que j'ai pu bosser encore, que ce soit haut du corps ou bas du corps. Donc, je me sens plutôt bien. Encore au niveau cardio, je pense que j'ai encore un peu à bosser, mais je vais refaire ça encore un peu là-bas. Mais je me sens bien, voilà, mon corps est bien. J'espère que cette année, je ne connaîtrai pas de blessure comme j'ai pu connaître auparavant. Et puis, de toute façon, voilà, ça passera par une bonne alimentation. Des choses qu'on connaît déjà, hydrate, boire de l'eau, bien manger, bien dormir, c'est important. Et c'est vraiment important, je l'ai su qu'après, en fait. J'ai dû connaître le mal avant de me rendre compte des choses. Et maintenant, moi, je le sais, c'est le principal. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, tes objectifs pour l'année à venir et peut-être les années à venir? Cette saison, c'est sûr que déjà pas de blessure. Parce que voilà, une blessure, c'est vraiment le plus dur qui arrive pour n'importe quel sportif. Dans n'importe quel sport, c'est ce qu'il y a de plus dur pour un sportif. Une blessure, que ce soit à l'épaule, pour un tennisman ou autre, à la cheville pour un footballeur. C'est vraiment ce qu'on peut souhaiter de pire à un sportif. Donc laisser éviter les blessures cette année. Une année remplie de buts, on va dire. Hein. C'est ce que moi, c'est ce qu'on me demande. Donc, j'essaie d'en marquer et jouer le plus de matchs possible. Et voilà, crever l'écran. Voilà, c'est tout ce que je dois faire. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Bonne continuation. Bon courage pour la reprise. Merci beaucoup.